Une classique 21 présente le 2013 Formula One Belgian Grand Prix. Les 23, 24 et 25 août, vivez l'expérience F1 sur le plus beau circuit du monde. Côtoyez les stars et vibrez au son des bolides lors d'un week-end en famille à prix réduit. Réservez vos places dès maintenant sur spagrandprix.com. On n'a pas peur de se mouiller sur F1 ITV, voilà, on s'est jeté à l'eau pour Marussia, hein, le petit poussé de la F1, Ziv, parce que, bon, on en parlait dans le débriefing Caterham, Marussia, malheureusement, ils n'ont pas, les moyens de leur politique, les dettes s'accumulent, il n'y a pas de recettes distribuées pour la 11e équipe en F1, et ok, ils ont signé avec Ferrari, on ne sait pas très bien comment, moi je ne comprends rien au modèle économique de cette équipe, mais en même temps, ça a du charme parce que la F1 a toujours été comme ça. Il faut un petit poussé. Voilà, il faut des voitures en dernière ligne. Oui, c'est vrai. Et puis, ils sont sympas. Et contrairement à l'année passée où on avait vraiment, littéralement, on avait montré qu'ils coulaient. Mais cette année, je trouve qu'ils ne coulent pas. La voiture est bien née. Ils ont un très, très bon pilote, Jules Bianchi, vraiment, qui fait des merveilles. Et ça fait plaisir de voir un jeune éclore. Hein. C'est un Français, il est un peu belge. Ça nous fait plaisir. Donc, Jules Bianchi, Marussia, je trouve que c'est une bonne surprise cette année. Max Chilton, passons. Il est pas formidable, mais il amène l'argent, donc ça a quand même son mérite. Et donc cette équipe ne coule pas, hein, Pierre. C'est déjà pas non, mal. Non, ne coule pas. Et franchement, moi, je suis bluffé par le fait que voilà, ils ont fait leur deal avec Ferrari pour 2014. Donc eux, ils estiment qu'ils sont là en 2014. On pouvait dire ça les trois années précédentes. Hein. Alors les Russes qui théoriquement, officiellement, sont les actionnaires de Marussia, hein, Marussia Cars, Andrei Cheglakov, Nicolas Fomenko, etc. On les connaît, bon, ils ont pignon sur rue, ça leur coûte 30 ou 40 millions par an, franchement, hein, les chiffres sont là, il n'y a pas de miracle. Alors, il y a eu des emprunts bancaires, il y a eu des garanties, il y a eu certainement le père Chilton qui a éteint quelques incendies. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que dans la F1 2014-2015, qui va coûter quand même 15-20 millions sur les powertrains, comme on dit, comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Oui, comme tu disais au début, hein, la Formule 1, bon, l'histoire de la Formule 1 est remplie de ces doux rêveurs. Mmh. Et ça, c'est vraiment un exemple de ces doux rêveurs. Et ça a beaucoup de charme. Et puis, ça a vocation à former des jeunes pilotes. C'est pas mal. Et quelque part, je me demande si Ferrari n'a pas un œil sur cette équipe et en disant, tiens, faisons-en une Ferrari Junior Academy, quelque chose comme ça. Enfin, j'espère qu'ils ont cette vision. C'est leur vision chez Ferrari n'est pas très claire à ce niveau. Mais en tout cas, ils ont placé Jules Bianchi. Ça permet à Jules de se mettre en évidence. C'est déjà pas mal. Disons que c'est la seule chance de Marussia. Pour moi, c'est un peu... On parlait de ça avec Williams par rapport à Mercedes. C'est voilà, de devenir un peu un junior team. Il y avait Toro Rosso qui roulait en moteur Ferrari. Il y avait des échanges naturels. Parce que voilà, entre Faenza chez Toro Rosso et Maranello, on n'était pas très loin. Et culturellement, il y avait un rapprochement. Ici, le fait que la motorisation Ferrari passe chez Marussia, on peut espérer qu'un peu comme avec Sauber, voilà, qu'il y ait une certaine entente et que Jules Bianchi, par exemple, puisse bénéficier de ça. Alors, moi, j'aimerais bien que Ferrari prenne carrément le risque de le promouvoir en F1 dans la Scuderia dès 2014, mais si ça doit passer par un an de plus avec une Marussia Ferrari et qu'il y a un transfert technologique un peu plus massif entre Ferrari et Marussia, tant mieux. Et puis après ça, bon ben, allez à Jacques Talest. Hein. Oui, bon vent Marussia, espérons qu'il survive, c'est très sympa. Et puis voilà, il faut se jeter à l'eau. Hein. Il faut, on se jette à l'eau. Là, on n'a plus le choix. Hein. Bon été à tous. Ciao. Hein.